Bienvenue pour ce live d'auteur avec Gaëlle Magnier. Alors, je vais inviter Gaëlle. On va attendre que Gaëlle se connecte. Donc, c'est un live d'auteur autour du livre La Dramaturge, qui est son premier roman. Bonjour à tous. Alors, Gaëlle, je t'ai invité. Allô, allô. Est-ce que ça fonctionne? Bonjour Ismaël Arouad qui a rejoint la vidéo. Alors, Gaëlle, un petit problème technique peut-être, je ne sais pas. Gaëlle, est-ce que vous êtes là? Bonjour Gaëlle, je vois que vous êtes là. Il faut, je vous ai envoyé une invitation pour rejoindre la vidéo qu'il faut accepter. Alors, est-ce que ça va fonctionner? Alors, je suis vraiment désolée, c'est vraiment toujours les aléas du début des lives d'auteurs avec Instagram, où c'est pas toujours évident. Donc, merci de votre patience, Gaëlle Magnier. Est-ce qu'il est possible pour vous de rejoindre la vidéo avec l'invitation envoyée? Hop, je réinvite. Est-ce que ça fonctionne? Oui, je suis là. Je ne vois pas l'invitation. Je viens de la renvoyer. Ah, voilà, ça marche. Ah, Bonjour. super. Du coup, j'ai demandé à rejoindre. Je suis désolée. Hein, c'est vrai qu'on a toujours ce petit contretemps de début. Donc, je voulais vous remercier vraiment pour avoir accepté cette invitation sur ce live d'auteur aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir invité. C'est gentil. Et alors, le son, je ne sais pas, je vais demander à tous ceux qui nous suivent, merci aux hérons bleus d'être connectés. Coucou. Si vous nous entendez bien, si vous entendez bien Gaëlle, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans les petits commentaires, à mettre des cœurs, des pouces, enfin bon, voilà, tout ce qui vous plaît. Et de voir si vous entendez bien, est-ce que vous nous entendez bien? Gaëlle, parlez, voir. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, moi j'entends moyen, mais. Je ne sais pas du coup le son. Ça a l'air bon là. Ouais, je ne sais pas. Alors, je vais commencer par vous présenter tout simplement. Donc, je remercie par avance enfin, les internautes qui se connecteront au fur et à mesure, qui nous regarderont en replay, comme ça se fait souvent d'ailleurs. Et c'est tout l'intérêt de ces lives d'auteur, c'est que les gens peuvent le suivre à leur rythme. Donc, vous êtes titulaire d'un master 2 d'histoire à l'université de Jean Moulin Lyon 3. Vous êtes blogueuse, correctrice, auteur. Vous avez écrit 5 livres, donc Double Morale, Volva, La fille de Freyja, Tel le phénix, les tribulations, et votre premier roman pour lequel on se voit aujourd'hui, qui est La Dramaturge, et qui était paru en décembre 2017 aux éditions Gloriana. Et vous avez reçu également un prix littérature en 2016 Souffle Court Édition pour la nouvelle Tel le phénix, qui devient le titre du recueil des nouvelles sélectionnées. Est-ce que pour l'instant je suis c'est bon? Alors, vous êtes également créatrice et rédactrice de Pause Earl Grey. C'est un blog culturel à tendance littéraire. Pour ceux qui souhaitent avoir l'adresse de ce blog, comment il faut? Enfin, je l'ai terminé depuis quelque temps déjà parce que je ne pouvais pas gérer à la fois l'écriture et le blog. C'était beaucoup trop de travail.
Par contre, j'en ai recréé un à mon nom d'autrice, enfin mon nom tout court, Gaëlle Magnier. Et du coup, de temps en temps, c'est un peu plus light. Je poste moins régulièrement, mais voilà, de temps en temps, je poste encore des reviews de littérature ou de films, voilà, des trucs culturels. Alors, je voulais lire la quatrième de couverture parce que j'ai ma petite fiche hein, quand même. Donc, si vous voyez baisser les yeux, c'est normal. Voilà. Donc, dans le Londres victorien, se côtoient deux êtres que tout oppose. Et pourtant. Donc, Aidan Taylor rêve d'écriture et de théâtre et son ambition, rien que ça, devenir dramaturge. Mais sa condition de femme constitue un réel obstacle face au directeur qu'elle sollicite pour produire sa pièce. Alors, elle est prête à tout pour vivre son rêve. Elle n'hésite pas à sauter le pas et à troquer ses robes contre un pantalon et une redingote dans le but d'être traitée de manière équitable. Dorian Swanson est quant à lui un jeune dandy mélancolique poursuivi par ses démons. Et sa dernière chance, c'est reprendre la direction du théâtre familial et de prouver ses capacités à son père. Et entre aspiration et provocation, Aidan et Dorian vont devoir faire face au caractère, je dirais, pas affirmé, mais très affirmé, des comédiens, de la troupe de l'Orpheus et aux conséquences de leurs agissements. Aidan fera-t-elle choisir entre la passion et l'ambition? Alors moi, ce que je voulais dire, c'est que j'ai beaucoup aimé le côté positif du personnage de Aidan, qui est vraiment dans la pensée positive tout le temps. Rien n'est impossible, tout est faisable. Moi, j'aime beaucoup, hein, en tant que coach, ça me plaît beaucoup. J'imagine. Ah oui, c'était quelque chose qui me tenait à cœur vraiment d'être positif. On est tellement entouré de négativité au quotidien, que ce soit dans les informations ou quoi. Quand j'écris mes personnages en général, ils ont toujours cette envie d'aller plus loin et de surmonter tous les obstacles. Voilà. Alors, mais en fait, il est riche à plusieurs titres parce qu'il défend des valeurs aussi, et notamment la condition de la femme. Il parle de la condition de la femme à cette époque-là. Et moi, j'avais envie de vous demander, parce qu'il y a aussi du marivaudage quand elle se déguise, tout ce côté un petit peu séduction. Comment vous est venue cette histoire en lien avec le théâtre et pourquoi le théâtre? En fait, c'est mon tout premier roman et j'ai toujours eu envie d'écrire depuis toute jeune, en fait, d'écrire des livres et j'avais jamais osé. Et quand j'ai décidé de me lancer, je venais de sortir de mon master d'histoire et dans ce master d'histoire, j'ai écrit en master 1, mon master de recherche. J'ai étudié toute l'Angleterre victorienne par rapport à la vision d'Oscar Wilde. Donc forcément, j'étais en plein dans l'Angleterre victorienne, le théâtre, parce qu'il a écrit énormément de pièces de théâtre. Et cette ambiance un peu dandy, qui s'amuse un petit peu des gens et de la société autour de lui. Donc je pense que j'ai été beaucoup, beaucoup inspirée par ça au moment de l'écriture. Parce qu'en fait, il y a des thèmes qui sont abordés quand même au-delà du dandy. Il y a des problèmes, on parle des prémices de la drogue, de l'opium. Il y a ça qui est évoqué aussi dans cette société, qu'on sait, enfin, en tout cas, on n'est pas forcément au courant qu'à cette époque-là, ça commençait à arriver si tôt. Moi, je ne pensais pas que l'opium était déjà là à cette époque-là, en fait, à l'ère. Oui, du coup, avec les guerres de l'opium entre l'Angleterre et la Chine, ça a été une période assez complexe à ce niveau-là. Déjà même avant la période à laquelle j'écris, ça avait commencé un petit peu et c'était du coup très implanté avec les opiums den, comme ils appellent ça, donc les salles exprès faites voilà, pour aller fumer de l'opium. Alors, donc, bon, j'avais eu des questions qui avaient été posées en amont. Comment seraient vos personnages dans le monde d'aujourd'hui? Quel Oui, métier ça ils c'est une sacrée exerceraient, par question. exemple? Dans le monde d'aujourd'hui, ai jamais vraiment réfléchi en fait. Est-ce que ce serait, je ne sais pas moi, ça pourrait être une féministe revendicatrice, enfin, on ne sait pas. Possible. Je sais pas si elle serait vraiment dans.
dans la revendication absolue à manifester, etc. Mais cl très clairement, elle continuerait à suivre ses propres idées et rien ne l'arrêterait, en fait, si elle tombait sur un homme qui lui dirait que non, bon, finalement, c'est pas bien possible parce que c'est une femme, elle s'en ficherait. C'est pas ça qui Alors, l'arrêterait non plus. la question là, c'est dans ce livre, ce qui est très intéressant parce qu'en fait, dans Aidan, c'est un personnage donc qui est sur en fait ce qu'on appelle une société intermédiaire en fait. Elle n'est pas dans la haute bourgeoisie, mais c'est des commerçants. Et en fait, il y a une vraie différence entre les commerçants et la bourgeoisie. Donc, il y a deux mondes qui séparent ces personnages en fait, hein. Oui, tout à fait, oui. En fait, elle fait partie de la bourgeoisie, mais la petite bourgeoisie, en fait, c'est-à-dire bah, les petits commerçants qui n'ont pas vraiment de problème d'argent, mais qui doivent faire attention quand même, ça correspondrait en fait à la classe moyenne aujourd'hui. À la classe moyenne aujourd'hui. Comment vous avez construit ce roman et cette histoire avec cette intrigue? Alors, étant donné que c'est mon premier roman, j'étais vraiment à tâtonner avec ce que j'avais envie de faire, d'écrire, de transmettre, et absolument aucune méthode. Donc, comment j'ai fait? Je pense que je me suis un peu laissée porter pour celui-là. Après, au fur et à mesure des romans, j'ai été un peu plus concentrée et cadrée sur mon travail, mais pour celui-ci, ça a été Ça a été, ouais. vous vous êtes J'ai laissé écrit porter toute par l'histoire, et voilà. finalement, les intrigues, elles sont venues au fur et à mesure, ou ça a été plutôt, vous réfléchissiez au fur et à mesure, de dire, ah ben si c'est ça, est-ce que ça vous a généré des blocages d'écriture? Non, j'ai pas eu de blocage d'écriture. C'est pas quelque chose que je connais. Ça fait pas partie de. J'ai de la chance d'ailleurs avec ça. Par contre, j'avais une intrigue de base en fait. Je savais d'où je partais et où je voulais amener mes personnages à la fin. Donc voilà, je savais à peu près dans quelle direction j'allais. Mais j'avais pas le détail et un plan détaillé en fait comme je fais aujourd'hui pour les romans sur lesquels je travaille maintenant. Et le passage d'une méthode à l'autre, ça s'est passé comment finalement de passer de la méthode, on va dire empirique, à la méthode construite? Je pense que je me sens beaucoup plus à l'aise maintenant avec ma façon de faire. Parce que bah déjà, je suis moins angoissée par le fait que je sais exactement tous les jours quelle scène je vais travailler, qu'est-ce qui va se passer dans cette scène, alors qu'au départ, c'était vraiment, j'ouvrais mon ordinateur et je me laissais porter par l'histoire, en fait, comme je l'avais créée les jours précédents. Oui. Ouais, je pense que je préfère maintenant plutôt qu'avant. C'est moins stressant. C'est moins stressant. Ouais. Et je pense qu'au niveau du lectorat, ils le ressentent aussi. C'est plus construit, c'est moins brouillon, on va dire. Parce qu'il Je sais pas. est quand même déjà bien construit, hein, celui-là. Oui, j'imagine, parce que si un éditeur m'a signé, c'est que ça devait aller. Mais ouais, moi je le ressens quand même à ce niveau-là quand je l'ai retravaillé pour l'auto-édition parce que je suis repassée dessus après la première version qui était en maison d'édition et je l'ai retravaillé ensuite et je l'ai senti, il y avait plein de choses que j'aurais pas écrit de la même façon, pas avec le même point de vue ou le même angle donc voilà, ça a beaucoup quand même changé depuis. Quelles sont les valeurs que vous avez voulu transmettre dans ce livre? Moi, j'en ai repéré Déjà, un paquet, hein. comment? J'en ai repéré un paquet. Après, il y a beaucoup de valeurs qui sont, je pense, involontaires, en fait, qui sont passées involontairement parce qu'elles faisaient partie de moi, en fait, et que finalement, comme c'est un premier roman, c'est beaucoup de moi-même.
Mais globalement, ce que je voulais transmettre, c'était de la positivité, comme vous l'avez dit au début. Ne jamais se laisser abattre quand on a quelque chose qui vient nous empêcher, qui pense, enfin, on pense que ça va nous empêcher de continuer ou d'avancer. Ben, non, il y a toujours une solution pour continuer d'avancer et trouver d'autres issues, d'autres moyens pour arriver à son but. Le féminisme également, du coup, le fait que ça ne doit pas nous arrêter en tant que femme, si on a affaire à un homme souvent plus âgé qui nous prend un peu de haut ou nous traite comme une enfant, eh ben non, non, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Nous aussi, on a aussi une intelligence et une façon de faire et un savoir-faire qui peut être utile autant que le leur. Aussi de l'ouverture d'esprit, parce que ben, Dorian est quelqu'un de très ouvert lui aussi et qui touche, qui est un peu borderline sur pas mal de choses. Donc de l'ouverture d'esprit aussi beaucoup, Alors c'est moi, quelque ce qui chose m'a qui m'intéresse. marqué aussi dans ce livre, c'est l'importance de ne pas cacher les choses, notamment dans les secrets de famille, ce qui crée des nœuds et des complexes en fait, et qui empire finalement certaines situations et relations familiales. Ah oui, totalement, totalement. Bah, je suis beaucoup pour la communication en fait entre les personnes parce que les non-dits ça fait pourrir les choses et Et souvent en quand fait, ça éclate, c'est encore c'est pire. vraiment flagrant dans le livre. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que je me suis servi de ça aussi pour donner un peu de sel à l'histoire. Et c'est donc, y avait ce message-là. Bon, après, il y a plein, plein d'autres messages. Moi, il y avait des références dans ce roman. Sur quelles références vous vous êtes appuyé? Bah, les références principales, comme je vous l'ai dit, c'est surtout Oscar Wilde. Vu que je sortais de ce master, j'étais encore la tête pleine de tout ce qu'il était, en fait, de sa vie et de son écriture. Donc, vraiment, je pense que c'est une grosse part de mon influence dedans. Ouais. Vous avez toujours voulu devenir écrivain. Oui. Mais je n'osais pas y rêver avant. Donc. Alors, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui a déclenché le passage à l'écriture? Bah justement, j'ai terminé mes études en fait, et c'est le fait d'avoir participé à ce concours de nouvelles pour Tell le Phénix. Et c'est donc quand j'ai reçu ce prix, je sais pas, je me suis dit en fait, si, peut-être que tu peux essayer peut-être que tu as les qualités pour. Voilà, et donc j'ai tenté, et puis je me suis dit, oui, j'ai toujours rêvé de publier, mais si je propose rien aux maisons d'édition, forcément, ça n'arrivera Ça sera jamais. rien. Et la Donc voilà, question, je me suis c'est dit avec un qu'est-ce qui peut roman, je vais m'arriver le de faire. pire si on refuse finalement parce que vous avez écrit? C'est exactement ça. Alors, qu'est-ce qu'on ressent quand on reçoit un oui de l'éditeur? Alors, on n'en a pas beaucoup, mais quand on en reçoit, en plus je l'ai reçu celui-ci pour la dramaturge le jour de mon anniversaire. Donc Ah! c'est encore plus spécial. C'est un beau Ouais, non, cadeau. c'est vraiment quelque chose de profond, ça. Ça touche énormément parce que même si ça ne devrait pas être vu comme ça, parce que le monde de l'édition est assez particulier, surtout aujourd'hui et depuis le Covid, bah on se sent reconnu finalement par les professionnels. Donc voilà, ça touche beaucoup. Aujourd'hui, vous êtes en auto-édition ou en édition à compte d'auteur, les deux? Alors les deux, en fait, j'ai continué sur l'auto-édition avec Volva. Parce que bah, il y a eu vraiment, avec le Covid, ça a été un peu une catastrophe au niveau éditorial. Mais cet été, j'ai signé un nouveau contrat avec une maison d'édition. Donc, je pense que je vais continuer les deux. Félicitations, c'est super. Merci. Pour ce livre, la dramaturge, qui quand même fait presque 300 pages. Combien de temps d'écriture et combien de temps de relecture, réécriture? Alors, pour la dramaturge, ça a été assez rapide, bah, parce que comme je vous l'ai dit, je tâtonnais vraiment avec le métier à ce moment-là.
J'ai dû mettre 3 mois pour l'écrire à peu près, puis le corriger ensuite 2 mois à peu près. Et ouais, voilà. Et ensuite, j'ai En moyenne, commencé à vous m'organiser. écriviez combien d'heures par jour? Alors, je ne me souviens plus trop pour la dramaturge. Je crois que je me mettais un certain nombre de mots par jour. Alors, c'est pas très très ça non plus, mais chacun fait comme il peut. Mais je me mettais un certain nombre de mots à atteindre par jour. Je crois que c'était 1000 à l'époque. Et je ne sortais pas de mon bureau, donc les 1000 n'étaient pas sur la page. Et ça se passe comment quand les mots, les 1000 mots sont pas sur la page, ça se passe comment avec soi-même? C'est compliqué. Enfin, surtout quand arrive la fin de la journée, en fait, et que ça a coincé un petit peu, la scène était compliquée, il a fallu réécrire, les mots venaient pas facilement. Mais globalement, j'ai toujours réussi finalement dans les dernières heures à compléter l'objectif, donc ça va, mais c'est un peu frustrant. La frustration, mais en même temps, la frustration, c'est un levier à l'écriture. C'est ça, c'est ça. J'avais d'autres questions qui avaient été posées. Si vous deviez faire rimer le mot écriture ou l'associer à un autre mot, quel serait-il? Un seul mot, ça serait difficile de l'associer avec un seul mot, mais serait complexité, mais aussi épanouissement. Complexité et épanouissement. Ouais. Ouais, je ne peux pas en choisir qu'un seul, c'est les deux à la fois. Par rapport à votre rapport à l'écriture, quel est votre rapport à la lecture? C'est plus complexe avec la lecture parce que je suis une lectrice un peu difficile. Du coup, peut-être que je le suis aussi avec moi-même quand j'écris, je sais pas trop. Voilà, j'ai très très rarement des coups de cœur. J'aime beaucoup de livres, mais c'est rarement le gros coup de cœur, on va dire. Voilà, c'est. Par exemple, quels sont vos auteurs contemporains préférés aujourd'hui et quels sont vos auteurs classiques préférés? Alors, parmi les classiques, du coup, bah, on va dire Oscar Wilde, hein, ça vous l'avez compris. Ah bon? Mais j'aime aussi beaucoup Alexandre Dumas, Tolstoï, Marguerite Duras que j'ai connue récemment, que j'ai commencé à lire. En contemporain, bon, maintenant du coup c'est un peu tard pour ça, mais j'ai grandi avec les livres d'Anne Rice. Et j'ai beaucoup aimé sa plume, sa façon de construire ses personnages et ses histoires. Vraiment, je pense que ça m'a beaucoup influencé sur la façon dont j'écris mes romans imaginaires, en fait, imaginaires et fantastiques mêlés à l'histoire aujourd'hui. Qui d'autre? Tolkien, évidemment. Voilà. Il est pas très il est juste très très connu, ce monsieur Tolkien, hein. J'ai l'impression qu'on en parle un peu beaucoup, hein. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé de lui Faerie, c'est un de ses premiers romans. Et en fait, quand on referme le livre, on regarde les arbres et la nature et on se dit, Avec un œil il y a critique. un sentiment étrange. Oui, on est observé. Un peu comme le parfum de Suskind où pendant une semaine, on sent toutes les odeurs. Exactement. Oh non, c'est terrible le parfum de Suskind. Presque, ce sont des livres expérimentaux, à expérimenter. Moi, ça me fascine, hein, ce genre de bouquin. C'est vraiment. J'aurais pas pu l'écrire, le parfum, vraiment, parce qu'il est tellement. Il prend au trip, mais totalement de A à Z, mais je le trouve Incroyable. fabuleux. Ah ouais, vraiment être capable d'écrire ça, c'est Et fou. presque le film à côté, il est mauvais. Il est fade, presque. On va pas critiquer, mais enfin bon, quand même, j'ai préféré le livre. Bah, comme tous les lecteurs, on préfère forcément le livre. En termes, donc ça, c'était les questions sur l'édition. Ça se complète. J'ai pas, pardon. Par exemple, Cloud Atlas de David Mitchell, le film et le livre se complètent énormément. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Donc toujours, je regardais. Pensez-vous que le théâtre
puisse être un moyen d'épan... enfin, en tout cas, ait pu être un moyen d'émancipation pour les femmes à l'époque de Haïdan. Ben du coup, à l'époque d'Aiden, non, je ne suis pas certaine du tout parce que les actrices en soi étaient, elles étaient vues dans les mentalités comme des prostituées en fait. Donc forcément, ça joue pas en faveur de l'égalité homme-femme, surtout à l'époque. Oui, surtout à l'époque, oui. Donc, alors, donc la pensée positive, rien ne l'arrête. Donc ça, c'était. Comment vous avez construit les personnages? Est-ce que vous avez fait des fiches personnages ou est-ce que les caractères se sont dessinés au fur et à mesure ou vous avez construit au fur et à mesure les fiches personnages comme ça se fait? Parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages, notamment dans la troupe de théâtre où il y a de sacrés caractères. Alors, pour la dramaturge, j'ai pas fait de fiche de personnage. J'en fais aujourd'hui, mais à cette époque-là, pas encore. Par contre, je pense que comme c'était mon premier roman, ça devait mûrir depuis quelque temps déjà dans ma tête. Et je pense qu'ils étaient déjà assez clairs tous les deux, en tout cas Dorian et Dan, dans mon esprit. Pour la troupe de théâtre, je pense que voilà, ils se sont ajoutés comme ci, comme ça au fur et à mesure. Mais oui, du coup, j'ai bien travaillé sur leur caractère au moment de les écrire. Alors, je vois qu'il y a des internautes qui nous suivent. Si vous avez des questions pour Gaëlle sur son processus créatif, sur son travail, sur son livre préféré, sur ben, ses films préférés, n'hésitez pas à poser des questions. C'est avec plaisir qu'elle vous répondra. En quoi le fait d'être correctrice vous aide dans vos romans? Pardon, excusez-moi, j'ai pas La entendu. question, c'était en quoi le fait d'être correctrice vous aide dans vos romans. De l'été resté une passe, maintenant c'est plus le cas, mais clairement, bon, j'ai quand même pas un trop mauvais niveau d'orthographe, donc je pense que c'est au niveau après éditorial. Quand je l'envoie aux maisons d'édition, mon texte est déjà assez propre, donc. Ça joue en ma faveur parce que c'est vrai que les éditeurs, ils n'aiment pas trop quand il y a trop de fautes dans les manuscrits. Quel est le secret pour passer les premières épreuves de lecture dans les maisons d'édition? Bonne question. Je ne sais pas si vous avez la réponse, En fait, je suis preneuse. on voit un petit peu de tout, et notamment la fameuse lettre de présentation avec le résumé par chapitre, le résumé en entier. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous pratiquez ou vous envoyez le manuscrit brut comme ça? En fait, ça dépend les maisons d'édition. Il y a des maisons d'édition qui vont demander une biographie succincte ou moins succincte de l'auteur, autrice. Certains vont demander des résumés type quatrième de couverture, des résumés complets en fait de l'histoire. Certains vont juste demander le manuscrit sans tout ça. Enfin, vraiment, ça dépend des maisons d'édition et en général, ils le notent sur leur site internet. Donc, de suivre leurs instructions. Aujourd'hui, vous travaillez sur un manuscrit, j'imagine. On peut avoir une petite info sur le sujet. Alors, je l'ai commencé il n'y a pas longtemps. J'ai fait tout le travail préparatoire cet été et je me suis lancée dans l'écriture au début du mois. Et je me suis beaucoup inspirée de la légende de Vega et Altaïr pour celui-ci. Il se passe en J'ai pas Asie. entendu, pardon. Je me suis inspirée de la légende de Vega et Altaïr. D'accord. Voilà. Est, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors du coup, c'est les deux étoiles qui sont donc dans la galaxie et qui sont séparées par la Voie lactée. D'accord. Donc là, on est vraiment dans. C'est plutôt de la fantaisie ou du. Alors du fantastique historique. Fantastique historique. Ça fait quelques manuscrits depuis Volvac. Ouais, qui sont très implantés en fait dans le fantastique avec beaucoup de folklore selon la région dans laquelle je me situe et avec une pointe d'historique mêlée d'imaginaire. D'accord. Et là, le travail de recherche, ça se passe comment par rapport enfin, aux galaxies? Enfin, est-ce qu'il y a un travail de recherche qui est fait plus pointu par rapport à d'autres livres? Oui, très clairement, le travail se fait pas du tout de la même façon. Déjà parce que la dramaturge, j'avais
fait tout le travail de recherche en amont avec, avec mon master. Pour Volva et puis pour celui qui va sortir prochainement et celui sur lequel je travaille, je suis dans des zones géographiques totalement différentes, donc que je ne connaissais pas forcément à la base. Donc au niveau des recherches, je me situe bien à ce niveau-là, dans ma période historique choisie et dans la zone géographique choisie. Ouais, c'est pointu, quoi. Oui, surtout au niveau folklore. Celui sur lequel je suis en train de travailler, je parle beaucoup de chamanisme oriental. Donc, du coup, il faut vraiment que j'oriente mes recherches sur le chamanisme oriental, qui est un peu différent quand même du chamanisme occidental ou amérindien. Voilà. Quelle est la différence justement avec le chamanisme oriental et le chamanisme plutôt amérindien? Je pense que, alors j'ai pas fait de recherche sur les Amérindiens, sur le chamanisme amérindien, mais de ce que j'ai pu en retirer pour l'instant au niveau de mes recherches, c'est que c'est surtout au niveau des esprits, enfin des esprits. Ça reste toujours des esprits liés à la nature, aux éléments, tout ça, mais ça va être au niveau du folklore et des objets utilisés qui vont être très spécifiques aux zones géographiques, je pense, D'accord. et Oui, physiques. donc c'est très très riche. Donc Donc très intéressant. aujourd'hui, je voulais savoir quand vous regardez un petit peu en arrière et que vous reprenez donc votre premier roman et que vous regardez votre parcours, qu'est-ce que vous vous dites? Eh ben en fait, je pense que je me dis que j'ai bien fait d'écrire et de me lancer dans l'écriture. Je sors d'une période un peu compliquée avant la signature du dernier contrat, justement bah, à cause du Covid, où les maisons d'édition ont fermé, la maison d'édition de la dramaturge et la maison d'édition de Double Morale ont fermé la même année quasi. Et bah, forcément, c'est très difficile, ça met un coup au moral, on se demande vraiment si on a pris la bonne décision, tout ça. Et puis finalement, j'ai continué parce que c'est ce que j'aime faire et parce que c'est une passion aussi. Et voilà. Et là, aujourd'hui, que vous me posez cette question, ben, je pense que oui, j'ai bien fait de m'accrocher et de continuer et de m'être lancée dans cette voie-là. Bon, bah c'est vraiment, en tout cas, nous, on est contents que vous ayez continué. En tout cas, moi, je suis contente. Ah ouais, c'est gentil, merci. Est-ce qu'il y a des films qui vous inspirent dans le cadre de votre processus créatif et d'écriture? Parce que finalement, l'inspiration, elle est partout. Oui, totalement, totalement. Et ben, il y a des auteurs, enfin, il y a des méthodes enfin, tous les auteurs ont des méthodes qui diffèrent, hein. Certains écoutent les conversations au bar, etc. Moi, c'est vrai que comme je lis beaucoup, enfin, je lis beaucoup, je lis régulièrement, je regarde beaucoup de séries, de films, tout ça. C'est vrai que c'est aussi pour moi des sources d'inspiration énormes. Et particulièrement pour celui qui va être publié prochainement, qui se passe en Inde. C'est une société qui était totalement nouvelle pour moi. C'est un voyage en Inde qui m'a inspiré l'histoire, mais je connaissais absolument rien de la culture, de la pop culture ou de l'histoire de l'Inde à ce moment-là. Donc en fait, j'ai vraiment eu besoin de me projeter et de me jeter dedans à corps perdu. Donc j'ai regardé et écouté énormément de musique indienne et de films indiens. Donc oui, ça m'a particulièrement beaucoup inspiré pour le prochain qui arrive. Est-ce que ça vous donne envie d'aller en Inde? Ben, oui, mais pas toute seule, mais oui. Pas toute seule. Ouais, c'est Ah vrai que c'est non, c'est pas un compliqué quand même, pays, l'Inde. pour le coup, non. Si vous deviez recommander à vos lecteurs un livre que vous avez affectionné particulièrement, lequel, bon, Oscar Wilde, mais lequel? Quel livre je leur recommanderais?
Je regarde un peu dans ma bibliothèque pour voir si ça me donne des idées. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup de livres. C'est rarement des coups de cœur, mais j'en aime beaucoup. Votre coup de cœur. Coup de cœur, alors, on va dire celui-ci que j'ai énormément apprécié, c'est celui de Bérengère Cornu, Née contente à Aurélie. Il me semble que c'est son premier. Et vraiment, on est un peu sur le chamanisme amérindien pour le coup. Et on est plongé vraiment dans une tribu amérindienne. La façon d'écrire de Bérengère Cornu est très sensible. Elle est proche des gens, proche de ses personnages. C'est quelque chose auquel j'ai été très très sensible. Est-ce qu'il y a un petit conseil à donner pour les jeunes auteurs, à la fois sur les rituels d'écriture, sur par exemple des peurs en lien avec l'écriture, voilà, de dire comment on va au-delà de ces peurs quand on est auteur? Alors, la première chose que je leur dirais, c'est justement de ne pas avoir peur et de se lancer, d'écrire ce qu'ils ont dans la tête, ce qu'ils ont envie, et d'oublier en fait tous les préjugés qu'il y a autour. Est-ce qu'on va aimer? Est-ce que si? Est-ce que mi? Est-ce que je vais être reconnue? Il faut oublier tout ça quand on débute et juste se laisser porter par l'envie et la passion à ce moment-là. Vraiment, le reste viendra après, ce sera suffisant après de s'en soucier, mais voilà, pour débuter, il faut se lancer et se laisser aller. Bon, ben c'est super, c'est vraiment gentil. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez rajouter en tant que, enfin, vous en tant qu'auteur, votre recette magique Ouais, non, il n'y a pas de recette magique déjà. Non, mais quand je dis recette magique, qui est en lien avec votre bonheur d'écrire, en fait. Ah. Ça, je sais pas, j'écris ce que j'ai envie et ce que j'ai envie de lire, donc je pense qu'il faut juste ne pas lutter déjà contre les obstacles qui arrivent, faut juste se laisser porter et toujours continuer à écrire, que ce soit d'un côté ou de l'autre, des petites histoires, des petits poèmes, quoi. Voilà, dans les moments les plus difficiles où c'était difficile d'écrire des textes. Je continuais à écrire des petits poèmes par-ci par-là. Quand j'entendais les oiseaux chanter dehors, voilà. Je me laissais porter et je continuais à écrire, peu importe. Peu importe. Alors, Pierre Auguet demande, aimerait savoir qu'est-ce qui vous inspire à écrire sur tel ou tel autre thème. Et bonjour à Alors, Brigitte je pense au que passage. c'est en lien avec mes passions du moment, je pense. Pour la dramaturge et double morale, ça vient totalement d'Oscar Wilde et du fait que j'étais passionnée par lui et son écriture. C'est aussi pour ça que j'ai choisi comme thème de recherche. Ensuite, pour Volva, c'était ce qui se passe dans la Scandinavie viking. Je pense que j'ai choisi ce thème parce que. Je sais pas, je pense, j'ai comme un ressenti proche, en fait, une sorte d'affinité avec la Scandinavie viking. Alors, il paraît que j'ai des ancêtres qui viennent de là-bas, je sais pas, peut-être que c'est dans le sang ou quelque chose comme ça. Pour l'Inde, c'est mon voyage en Inde de 2 semaines qui m'a totalement transportée. Et quand j'y suis allée, en fait, j'ai visité le site de Sinji. C'est un site historique magnifique proche de Pondichéry. Et il y avait quelque chose dans ces pierres, dans cet escalier qui m'ont beaucoup touchée. Je voulais écrire quelque chose dessus. Donc voilà. Non, c'est ce qui est passionnant en fait, c'est-à-dire que quand on est écrivain, on sait, des fois on ne sait pas pourquoi on a envie d'écrire C'est ça. sur tel ou tel sujet, mais on sent que c'est irrépressible et qu'il faut le faire. C'est Et exactement par ça. exemple, enfin, moi je n'irai pas m'aventurer sur le thème du viking, mais peut-être qu'un jour ça pourrait arriver. Mais c'est ça en fait, qu'est-ce qui fait que on est attiré par un sujet plus qu'un autre? Ben,
Ça, c'est vraiment la grande question. Hein. Comment les idées arrivent, on va dire, c'est un peu ça. Et bah, j'ai toujours dit qu'en fait, on ne les choisit pas, c'est elles qui nous choisissent, en fait. Enfin, moi, en tout cas, c'est l'impression que j'ai. C'est des histoires qui sont déjà, qui existent déjà autour de nous et elles nous choisissent, nous, comme vecteur pour sortir et pas quelqu'un d'autre ou pas un autre auteur, une autre autrice. Je sais pas. Enfin, il y a une sorte de quelque chose un peu de mystérieux là-dedans aussi. Est-ce que du coup la question se pose pas de se dire voilà quand on commence à aborder un sujet, de se dire bon qu'est-ce qui a été écrit là-dessus? Est-ce qu'il y a des recherches qui se font en se disant est-ce que je vais pas être faire du doublon ou par exemple être redondant sur un sujet qui a déjà été traité 50 fois et comment on fait pour être différent en traitant un sujet qui a déjà été traité finalement? Alors, ça, pour le coup, vraiment, je me suis jamais posé cette question-là de savoir si j'étais redondante avec d'autres choses qui ont été écrites sur le sujet, parce que chaque individu est différent, chaque auteur est différent, et a sa propre façon de voir les choses, son propre style d'écriture aussi. Et je pense que je crois que je l'avais lu dans le livre d'écriture de Stephen King, qui disait que peu importait le sujet, même s'il avait été vu et revu et réchauffé, du moment qu'il vous passionne ce sujet-là et qu'il vous parle, ben, faut y aller. Après, c'est votre style, votre point de vue qui va faire la différence, tout simplement. Donc, si vous avez des questions pour Gaëlle, n'hésitez pas hein, à poser vos questions de façon à ce qu'elle puisse vous répondre, parce elle va pas faire un live tous les jours, donc avec. D'autant que c'est le premier, donc. En tout cas, un grand merci d'avoir accepté vraiment ce live parce que votre livre est très riche, donc je l'invite à lire des autres livres. Et n'hésitez pas à communiquer sur, en tout cas moi, à me communiquer la sortie du prochain ouvrage. D'accord. Merci à vous, en tout cas. Je n'ai pas entendu. Merci à vous de m'avoir invité, vraiment, ça m'a beaucoup touchée. Bien, surtout que moi, j'ai quand même un petit livre avec une petite dédicace qui m'a été offert, donc je suis très très contente. Bah écoutez, en plus, c'est super. Là, aujourd'hui, si vous deviez conseiller une maison d'édition, laquelle vous conseilleriez comme maison d'édition qui pour vous, parce que c'est vrai que le milieu d'édition aujourd'hui est complexe et voire compliqué, est-ce qu'il y a des maisons d'édition que vous recommanderiez? Bon, je ne sais pas si j'ai vraiment mon mot à dire là-dessus, en fait, parce que bah, chaque maison d'édition a sa propre personnalité en fonction des éditeurs et de la façon dont ils gèrent leur catalogue. Donc, ça va vraiment dépendre de ce que l'auteur, le jeune auteur ou l'auteur, l'autrice veut de sa maison d'édition, en fait, veut comme partenariat avec. Qui va lui, enfin, l'une ou l'autre va plus lui correspondre qu'une autre, en fait. Donc, vraiment, pour ça, je ne m'avancerai pas Et par dessus. exemple, vous, qu'est-ce que vous attendez de votre éditeur quand vous choisissez un éditeur? Alors, surtout, de la bienveillance et de l'ouverture d'esprit, personnellement. Donc, je l'ai choisi en fonction, surtout après avec l'échange de mails. Ça me permet d'évaluer, de voir si l'éditeur, si la personne avec qui je correspond partage ses valeurs de bienveillance et de sagesse quelque part, on va dire, quelque chose de posé, de calme, pas foufou, quoi. Et comment ça se passe alors quand on est auteur déclaré aux fameuses URSSAF du Limousin? Ah, le fameux sujet. Ben, personnellement, pour l'instant, j'ai jamais eu de problème avec l'URSSAF Limousin. Donc, voilà, je sais Alors pas. là. Oui, c'est impressionnant. Alors, je touche du bois pour que ça Ah oui, n'arrive pas. Mais, c'est parce mais je sais qu'il y a y a énormément, des suites énormément de d'entraide boulot derrière. par rapport à ça et voilà, comment se passent les premières déclarations, est-ce que c'est un peu angoissant? Ah, oui, très clairement, quand j'ai fait ma demande d'affiliation.
J'ai été un peu angoissée de savoir, surtout que bah, comme tous les nouveaux affiliés, en fait, ils envoient une première demande complètement folle de demande d'argent, en fait. Mais c'est une lettre type, en fait. Donc, il ne faut pas vraiment s'en soucier. Il faut simplement aller sur le site tranquillement et moduler à zéro pour la première année, leur indiquer que bah, vous n'avez rien gagné pour le moment. Et tout se passe bien après. Voilà, ça se régule après automatiquement. En tout cas, pour moi, ça s'est passé comme ça. Voilà. Je pense que c'est bien qu'un auteur le dise aussi, que ça se passe bien, parce que effectivement, il y a quand même beaucoup d'auteurs qui rencontrent des difficultés sur les sites de l'administration en lien avec ben, l'URSSAF du Limousin, les auteurs et tout ça. Et pourtant, je pense qu'ils sont quand même plutôt réactifs dans leurs réponses, dans les réponses qu'ils apportent aux auteurs. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'auteurs aussi aujourd'hui et que tous les cas sont différents en fonction des personnes. Voilà, parce qu'il y a des doubles activités, des pas doubles activités. Là, le choix s'est imposé naturellement, vous, de partir complètement sur l'écriture à 100%. Oui, voilà. Bon, après, j'ai aussi un statut d'auto-entrepreneur pour la rédaction, mais voilà, c'est globalement c'est artiste-auteur en premier. Mais Gaëlle, moi, je tenais vraiment à vous remercier. Alors, où est-ce qu'on peut trouver votre livre et quelle est l'actualité, votre actualité aujourd'hui? Où est-ce qu'on peut venir se faire dédicacer son livre? Alors, ben, malheureusement, la dramaturge n'est plus disponible en papier parce qu'en auto-édition, ça me coûtait trop cher pour les revenus. Par contre, il est toujours disponible en numérique. Vous pouvez le commander sur les sites de vente de e-books Kobo, par en exemple. anglais. Voilà, il est toujours présent sur Kobo, sur Amazon, la Fnac et compagnie, sur Libri Nova aussi, évidemment. Par contre, récemment, du coup, j'ai auto-publié Volva, fille de Freya. La couverture est très belle. Merci, c'est moi qui l'ai fait. Et donc, celui-ci est toujours disponible en papier jusqu'à peu près au mois de mars-avril, je pense. Et pareil, après, je ne pense pas renouveler le papier parce que ça coûte trop cher. Donc, si vous avez envie du papier, c'est tout de suite. Donc pareil, toujours disponible sur LibriNova et sur les librairies en ligne. Vous pouvez également le commander chez votre libraire. Ils l'auront pas forcément en stock, mais comme c'est distribué par Hachette, ça va assez vite après. Voilà. Alors, quand on Et est ensuite. auto-éditeur, justement, la question se pose, comment on fait pour être auto quand on est auto-édité, pour avoir Hachette en distributeur, comment ça se passe? C'est compliqué pour les auteurs qui peuvent nous Alors suivre? du coup, moi je suis passée par LibriNova, LibriNova. donc c'est une plateforme d'auto-édition en ligne où les services en fait s'achètent. Donc il faut débourser une certaine somme en amont pour pouvoir acquérir certains services et notamment celui d'être distribué dans les librairies physiques et de pouvoir être commandé par la plupart des libraires en fait. Donc voilà. Par contre, ça a un certain coût qui fait que ben voilà, je l'ai fait la première année, mais après je ne peux pas renouveler ce Et oui, service parce que voilà. c'est pas donné, donné, ouais. Voilà, c'est ça, c'est pas donné. Et Et vos ensuite, prochaines dédicaces? alors les dédicaces, pour l'instant, c'est pas prévu. Par contre, je pense que certaines vont se mettre en place quand mon prochain livre va être publié, celui sur l'Inde. Donc voilà, pour l'instant, c'est en cours du côté de la maison d'édition. Les corrections éditoriales ont été faites. On travaille sur la couverture ensemble et bah, ça ne devrait pas trop tarder maintenant, dans les mois à venir. Votre mot à dire sur la couverture, ça se passe comment? Ça se passe en. Alors, avec ma nouvelle maison d'édition, on travaille vraiment ensemble. Donc, eux travaillent avec leur graphiste qui leur fait des propositions et à chaque fois ils m'envoient les propositions en me demandant mon avis. Donc c'est plutôt agréable de pouvoir dire ce qu'on en pense. C'est chouette. Alors, donc, je vous rappelle donc un papier pour puisqu'on va devoir se quitter, puisque je crois que les lives ne peuvent pas durer trop longtemps, sinon après on ne peut pas les retélécharger. La dramaturge qui n'est plus disponible en papier, mais en tablette.
Volva qui est encore disponible en papier sur votre avec une très jolie couverture qui est encore disponible en papier que vous pouvez commander auprès de votre libraire ou par internet hein, également. Et ensuite, ben, il y aura les autres livres qui vont arriver incessamment sous peu. Et donc, n'hésitez pas à suivre l'actualité de Gaëlle sur Instagram, Facebook et le blog. Pour l'actualité, j'ai également une newsletter. Donc voilà, tous les mois, j'envoie une petite newsletter avec les actualités, des petits points historiques, tout ça. C'est vraiment super. En tout cas, un grand merci, Gaëlle, d'avoir accepté ce live d'auteur où le cadrage est pas, enfin, en tout cas, chez moi, est pas super parfait, mais bon, c'est OK. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, qui étaient présents, qui se sont connectés au fur et à mesure, qui ont posé des questions et qui ont mis, j'ai vu des petits cœurs passer aussi. Et merci à tout le monde, à tous ceux qui regarderont en replay et voilà, qui vous enverront un petit message. Et je vous invite vraiment à découvrir Gaëlle, qui écrit très très bien. Enfin, en tout cas, moi j'ai beaucoup aimé votre écriture et merci pour ça. Merci beaucoup à vous, merci tout le monde. À bientôt. Au revoir. Au revoir.